Et donc l'objectif de ce concours, comme cela a été stipulé en article 2 du règlement, et on a dit le dit concours a pour but d'améliorer la connaissance des droits de l'enfant, notamment la convention relative aux droits de l'enfant. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Et bien entendu, c'est à travers ces événements qu'on peut amener les enfants, conduire les enfants à les connaître, à connaître la loi. Mes sincères félicitations aux 13 enfants lauréats du concours que je vous demande d'applaudir intensément. Mesdames et messieurs, chers enfants, les jurys, dans la conclusion de son procès-verbal des délibérations, a émis le vœu que les 13 meilleures copies retenues à l'issue de la délibération soient publiées afin de permettre aux futurs candidats de s'en inspirer pour produire des correspondances de bonne facture. Spécial pour tous les enfants de toutes les régions du Bénin qui ont pris part à cette compétition et qui ne sont pas retenus, qu'ils ne se découragent pas. Ma fierté, j'allais dire notre fierté, est encore plus grande de savoir que ce 23 décembre est la journée de l'enfant béninois. Assiduité, détermination et succès dans vos études sont mes voeux les plus chers pour vous à l'occasion de la nouvelle année 2020. Vive les enfants du Bénin, à chaque enfant, tous les droits, je vous remercie.